Salam alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon jour. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un des plus grands miracles du prophète Mohammed est le voyage nocturne, l'Isra, de la Mecque à Jérusalem, et son ascension au-delà des sept cieux de la nuit du 27 du mois de Rajab. C'est durant cette nuit-là que les cinq prières quotidiennes ont été rendues obligatoires. Le prophète a accompli un voyage par le corps et par l'âme à l'état d'éveil, de la Mecque à Jérusalem, en compagnie de l'ange Gabriel, Djibril. Le prophète n'a pas rêvé, il a bien réalisé ce voyage en une seule nuit. En effet, ce miracle est cité dans le Coran et dans la Sunna. Lors du voyage nocturne, le prophète Mohammed a prié dans la mosquée de Jérusalem en tant que imam devant tous les prophètes. Puis a eu lieu l'ascension au-delà de sept cieux. L'ascension est un miracle grandiose accordé au prophète Mohammed. Il est monté au ciel avec l'ange Gabriel, Djibril, où il a rencontré de nombreux prophètes, tels que Adam, Adam, Jésus, Isa, Moïse, Moussa, et d'autres encore. Le but de cette ascension est de glorifier davantage le prophète Mohammed et d'augmenter son honneur. N'oubliez pas de remercier Dieu de nous avoir envoyé notre bien-aimé Mohammed, lui, l'étincelant joyau de la guidée. Barakallahu fikum wa salamu alaykum. Sallu ala al-hali, umun suru sa'ala.